Salut, salut la grande famille, c'est encore moi Rossibé, je vous reconnaissez la voix. Hein. Si tu es nouveau, tu es nouvelle sur ma vidéo, faut t'abonner sur ma chaîne YouTube, ma page Facebook, Instagram. N'oubliez pas de partager mes vidéos, liker, laisser les commentaires. Bref, aujourd'hui, j'aimerais vous présenter une petite vidéo de la force tranquille. Oui, la force tranquille, tiens, il dit, elle est en train de fracasser, framponner. La colère, il dit, les opposants là. Moi, je vous dis toujours, en Côte d'Ivoire, il n'y a pas opposants. Eux tous vont se rallier. Voici l'extrême, il dit. Seigneur, on va rouler. Bref, la famille, voici la force tranquille. Vraiment, tu es en train de... Qui est en colère, qui est très en colère. Et qui est en train de s'exprimer. Oui, qui est en train de s'exprimer. Vous savez, dans la vie, faut pas on va se mentir. Faut pas on va se mentir. Moi, je vous dis toujours que nous qui sommes sur les réseaux sociaux, nos buts... Vraiment, si on pouvait s'associer pour parler de la réconciliation, pour parler de la paix, pour juste parler de motiver nos frères et nos sœurs d'aller s'enrôler là, vous allez voir qu'on serait tranquille. Mais on est là en train de se dénigrer, on est là en train de s'insulter, on ne comprend plus rien. Lui qui se lève ici, il dit c'est ce que tu... Lui, c'est que tu l'intéresses. Il dit ceci, si ce n'est pas un jus, c'est dénigrement. Mais quand c'est comme ça, les autres pays nous regardent, hein. Les autres pays nous regardent et puis ils disent, mais les Ivoiriens n'ont rien encore compris. Hein. Ils ont un bon président, ils ont un bon développement qui pousse chez eux en Côte d'Ivoire, mais eux, ils sont là pour s'insulter seulement. Mais eux, ils sont là et puis ils rient. Ils disent, mais la Côte d'Ivoire, vraiment, c'est quand on va quitter dans ça? Et c'est quand ils vont, eux-mêmes, surtout les étrangers, ils disent, mais c'est quand les Ivoiriens vont quitter dans ça? Nous-mêmes, on cherche papa à dos comme ça, si on l'a eu là, mais nous, on va dormir tranquille. La famille... Voici la vidéo de la force tranquille. Écoutez très bien, c'est dit. Et bien avant que, bon, on fait chapitre close. Voici sa vidéo. Nous tous là, on est dotés. Moi-même, si doté, puis à 6 ans. Ou bien, Manda du Choco Moriba. Est-ce que je ne suis pas doté? Est-ce que tu ne m'as pas doté? Tu m'as doté? Bon, je vous préviens, mon grand frère m'a chargé de dire à tous mes prétendants. Que celui qui dit les garçons qui veulent vraiment de moi n'a qu'à partir demander sa main. Il est assis maintenant au quartier. Il dit qu'il est là maintenant. Voilà, donc vous les plaisantez, vous quittez mon chemin. Je veux des garçons vrais, des garçons. Voilà, c'est ça qui est là. Donc quand il est de moi, il est là maintenant. Il dit que celui qui veut de moi, il dit qu'il faut leur dire non, qu'à venir, je suis là. Et il fait le classement. Et il va choisir. Et ça ne chauffe pas. C'est connaisseur, connaît Gaupas. Donc Moriba, tu as compris, non? Voilà. C'est quoi ça? Et donc, viens chercher ta place auprès de mon frère. Je disais, nous sommes tous dotés. D'autres, là, ce n'est pas mariage. Il ne faut pas nous distraire ici. Tu viens comme ça, affabuler, blasphémer. Tu viens tenir des propos pour nous injurier, nous les femmes, pour nous dévaloriser encore une fois, comme si ça ne t'avait pas suffi de le faire le 17 juin à l'aéroport. Quand tu as dit, elle ne saluait pas, ça t'a pas suffi, non? Non, Bobine, ça t'a pas suffi. Ça t'a pas suffi. Tu as dit, elle ne saluait pas. Nous-mêmes, on est assis par terre. Toutes nos perruques-là se sont volées. On est assis par terre. À cause de d'autres. Elle ne saluait pas. Femme légitime, femme légalement mariée. Celle qui est l'épouse reconnue par l'État de Côte d'Ivoire. Qui a vécu des années de vie. Elle lui torturée, emprisonnée. Bon, quand on va rentrer dans ça, on ne va pas sortir d'ici. Adama. Maman, c'est sur ça que tu reviens encore. Mon mari. Qui est ton mari même? Non, parce que cette affaire-ci, elle commence à... Mais j'ai dit, oh, même si c'est ton mari là, maman, c'est le lieu de venir dire que c'est ton mari. Bayota là, vous êtes parti pour tourner Novelas TV là-bas, ou bien vous êtes parti faire quoi? C'est un discours politique. J'ai dit, ça là, c'est ça qui est politique là. C'est ça que tu te compares à nous là. C'est ça que tu te compares à ma maman Simone Babo là. C'est à ça que tu te sais, ça là, tu te compares à Dr Simone Eve Babo là. Non, soyons vraiment vrais. C'est avec ça là que toi tu te compares à Dr Simone Eve Babo. On te tend un micro où tu as l'opportunité, où tu as la possibilité, où tu as enfin une occasion de montrer.
peuple de Côte d'Ivoire que tu es une femme digne de ce nom, telle que tu brandis partout et fort, tu ne peux pas respirer. Que je sache, tu es journaliste de formation. Ce qui veut dire que tu sais t'exprimer en public, au moins tu sais parler le français. Mais tu vois la différence entre une journaliste ordinaire et une femme politique. Une femme politique de carrière. Tu n'es pas ça. Tu ne peux pas. Il n'y a pas aucun. Tu vois, vraiment, maman Nadège, de l'enfantillage, Promas, Bayotal, le peuple qui est assis là, qu'est-ce qu'il retient de votre scénario, novelas que vous avez tourné? Ils retiennent quoi du discours de Laurent Gbagbo? Ils retiennent quoi de ton discours? Qu'as-tu proposé au peuple de Bayota? On dit que Bayota rend hommage à Laurent Gbagbo. On rend hommage à l'homme politique. On rend hommage à l'homme. On ne rend pas hommage à toi. On ne rend pas hommage à ton mariage. Donc même s'il y avait mariage, c'était le lieu d'en parler. Même si tu étais marié dans ton rêve, tel tu le désires, parce que si toi on t'a demandé, wallah, quand t'as déjà porté robe blanche à tête, a dit, si ça ne tient qu'à toi, toi tu as déjà cette robe-là. La madre, même si tu étais mariée, c'était là le lieu de venir parler de ton foyer, de ton mariage, de ton intimité avec ton mari. C'était le lieu de venir parler de romance. C'était le lieu de venir parler de ton couple. C'était le lieu de venir tenir tes discours. De venir nous prouver quoi? Tu veux prouver quoi à qui? Que tu es mariée. Mais on sait que c'est toi. C'est toi qui le gère. On est au courant, mais laisse-nous en paix. Tu es obligé de te foutre de notre gueule? Tu es obligé de venir nous narguer? Tu es obligé de venir nous dire des choses qui vont contre la loi du mariage et qui dévalorisent encore la femme? On se bat pour que la femme ait sa dignité, son intégrité. On se bat. Même si tu ne veux pas te battre avec nous, mais tu n'es pas obligé de venir mettre du sable dans notre attique. Il y a quoi? Après toi, là, il ne doit plus y avoir des mariages. À cause de toi, aujourd'hui, le phénomène qu'ils ont en Côte d'Ivoire est devenu normal. Tous les séries d'hier sont venus nous mettre ça dans la, en plein dans le visage. Et puis on assis par terre, on ne peut rien dire. Quand ils parlent, on t'insulte. Quand on parle, on dit Laurent Gbagbo a fait, dont personne ne peut plus parler. Tu as dévalorisé le mariage en Côte d'Ivoire. Grâce à toi, aujourd'hui, le phénomène qu'ils ont est devenu normal. Bon, on t'a fait quoi? Nous-mêmes, on s'est caché un peu pour voler mari des gens là. Maintenant, mais on n'a plus honte, même parce qu'on s'est dit que bon, c'est normal. Pourquoi tu nous fais ça? Non, mais pourquoi tu nous fais ça? Tu nous fais ça pourquoi? C'est ça ton éducation qu'on t'a donnée d'après toi, l'éducation, on t'a donné bonne. C'est-à-dire, quand tu te présentes là, après toi là, c'est Dieu, hein? Après toi, c'est-à-dire, toi, tu es un ange, tu n'as pas de péché. Mais ce que nous, on voit là, c'est pas ça. Faut pas jouer à nos esprits. Vous voyez, Ivoirien, quand j'écoute ça, j'ai mal au cœur. J'ai mal pour mon père, le président Laurent Gbagbo. J'ai mal pour lui, j'ai mal pour tous ceux qui l'ont suivi comme moi. Tous ceux qui ont cru en lui. J'ai mal pour tous ceux qui ont donné de leur vie, leur temps, leur âme, leur esprit, leur argent. Pour lui, Laurent Gbagbo. Tout ça, pour ça. Tout ça pour ça. Pour venir tourner Novelas TV à nous. Film que nous-mêmes on peut tourner dans notre chambre à nos maris. Film que nous-mêmes on peut tourner dans notre chambre avec nos copains. On est obligé d'aller regarder lui, Laurent Gbagbo, tourner ça en live pour nous donner. Adama. J'ai dit où? Vous qui suivez, vous qui êtes autour d'elle, vous savez pourquoi vous êtes là, puis vous applaudissez comme ça. Un pas les vis dans la vie, applaudissez. Mon Dieu, mon roi. Quand je fais. Il y a c'est pour vous, j'ai pitié. Vous qui êtes là autour d'elle, vous lui êtes redevable. Elle s'est arrangée à faire de vous des personnes redevables. C'est pourquoi j'ai dit j'aime trop
Mon frère, je n'ai pas envie de dire son nom aujourd'hui dans cette vidéo. Parce que Dieu veut le dissocier de cette vidéo-là. Parce qu'aujourd'hui, cette vidéo, elle est dédicacée à maman Simone et Babou. Mon frère m'a dit. Hein? Et il a dit ça à tous les Ivoiriens. La main qui donne est celle qui ordonne. La main qui donne est celle qui ordonne. Quand tu reçois, il faut préparer ton cerveau. Il faut préparer ton cerveau à subir. C'est ça le cas. De tous ceux qui sont autour d'elle aujourd'hui, autour de Laurent Gbagbo, chers Ivoiriens, je vous le dis en vérité. Elle s'est arrangée à ce que toutes ces personnes qui sont devenues des bénis, oui, toutes ces personnalités en qui nous croyons, c'est-à-dire des gens que nous, on adulait, on respectait, des autorités que nous on respectait, ils sont devenus des enfants dans la main de cette femme. Elle les manipule comme elle veut. Parce que, excusez-moi, je bois une gorgée d'eau. Parce que vous savez, elle s'est arrangée de sorte que quand tu veux voir le président Laurent Gbagbo, depuis la haie, quand tu veux le voir, c'est pareil, tu dois passer. Je ne sais pas si vous comprenez un peu. Elle a préparé son affaire. Ce que vous voyez, le film, elle est venue jouer Novelas à Bayota. Ce qu'elle est venue jouer à Bayota, là, c'est un truc planifié, orchestré, organisé. Moi, je suis femme politique. Moi, la Gossina Kofi, je suis femme politique. Moi, la force tranquille, je sais ce que c'est. Ça, là, je vous l'assure, je vous le dis, je vous le confirme, que c'est un truc planifié. Ils ont organisé, orchestré. Elle savait bien ce qu'elle devrait dire. Elle savait ce qu'elle voulait dire. Elle a fait. Le scénario. Elle a fait le scénario tel que un scénariste le fait pour un film qu'on doit tourner. Elle a produit son film. Avant d'aller s'asseoir là-bas, elle a mis tout en place pour jouer la scène que vous avez vue, la scène théâtrale à laquelle vous avez assisté. Vous avez été obligé d'assister. C'est de la même manière. Elle est dans un programme. Je vous l'ai dit depuis. Que depuis la Belgique, elle est dans un programme qu'elle est en train de respecter. Son programme, là, elle le respecte. Non, elle le respecte trop bien. C'est les gens qui n'ont rien vu dedans. C'est les gens qui n'ont pas vu dans son affaire. Et puis, elle court dans leur tête. Et puis, elle joue sauterelle dans leur tête. Elle joue la marelle dans leur tête, dans leur esprit. Elle s'envole à leur âme. Au moment où ils vont s'en rendre compte, il est tard, il est déjà trop tard. On sera à l'étape de Robert Mugabe. Tel Robert Mugabe est fini, c'est comme ça Laurent Gbagbo va finir avec cette dame. C'est comme ça va finir avec lui. Regardez seulement. Est-ce que tout ce qu'on vous a dit jusqu'à aujourd'hui n'est pas ce qui se produit? La femme, elle s'est arrangée à rendre les gens redevables d'elle, c'est-à-dire à se disposer pour elle, c'est-à-dire n'avoir Dieu que pour elle, à lui être soumis. Elle a fait de ses autorités et personnalités politiques là des bénis, oui. Et ceux qui n'ont pas voulu le faire, ceux qui n'ont pas voulu supporter, ceux qui n'ont pas voulu subir, ceux qui n'ont pas voulu vivre selon ses caprices, parce que ce qu'on voit là, c'est des caprices, hein. Cette femme était mal, elle a un mal-être. Ça dit, oh Seigneur, ça me dépasse. Aujourd'hui, là, s'il y a des personnalités politiques, regardez bien, ressassez bien l'histoire, remémorez hein, votre mémoire. Ou je ne sais pas comment je dois dire ça, ouais, français, je ne connais pas où. J'ai dit, réveillez votre mémoire. Revoyez un peu l'entourage de Laurent Gbagbo, à part ceux qui sont morts. Où sont les hommes politiques là? Où sont les cadres de Laurent Gbagbo? Où ils sont? Où ils sont passés? Quand on parle d'Awa Domelo, il est où? Awa Domelo n'est pas dans ça.
Il ne supporte pas ça parce que c'est l'intello. On ne peut pas courir dans sa tête. Où est Lida Kouassi, Moïse? Lida Kouassi ne supporte pas ça, le béni, oui, oui. Est-ce que vous voyez Lida Kouassi encore? Même le grand Assou Adou, qui a combattu tant le docteur Simone Eve Gbagbo, qui a tant combattu maman Simone Eve Gbagbo, il est où aujourd'hui? Ils ne disent pas. Même la madre chocolatée, Odette Lorignon, elle est où aujourd'hui? Elle fait Jean-Jean, elle fait comme s'il n'y a rien, mais il a dit, c'est le goût de ça. Elle a pris ça plein dans le mille. La femme veut la commander. Oh, Odette Lorignon, là, quelqu'un ne la commande pas. Moi, je la connais. Oh, je dis, c'est pourquoi j'étais étonnée. Au début, là, quand je voyais, maman Odette Lorignon, elle est zélée comme pour la femme, là, je comprenais rien. Je dis, mais attends, est-ce que c'est la Odette Lorignon que moi j'ai vue à l'hémicycle et puis était fière d'elle, je voulais devenir députée comme elle, là. Est-ce que c'est elle qui est là? Elle ne peut pas supporter ça. On ne coupe pas dans la tête d'Odette Lorignon. Est-ce que vous voyez Odette Lorignon encore zélée comme avant? Posez-vous la question. Tous ceux qui étaient là, même les Kouassi se cherche actuellement. Même Damana Adias Picas, même s'il ne le dit pas, il est aussi lésé. Oui, parce qu'il ne veut pas se soumettre aussi. Parce qu'il ne veut pas se faire enculer aussi. Parce qu'il ne veut plus pas se laisser piétiner. Damana Picas, comment il connaît Fessis là? Il y a les uns et puis il y a les autres. J'ai dit, oh, c'est pas, il n'est pas trop parlé. Sinon, on sait qu'on l'a si. Mais c'est qu'il m'a dérangé. Et puis, est-ce qu'il venait dire à la madre, hein, à la femme de mon papa qui se dit, c'est sa femme et c'est son mari, là. Faut nous laisser en paix. Faut nous laisser en paix. Maintenant, j'ai dit, oh, Maître Daguerre Rodrigue, c'est pas toi qui nous a dit ici sur la toile que Dr Simone Eve Gbagbo, jusqu'à preuve du contraire, demeure l'épouse légitime du président Laurent Gbagbo. Parce que le divorce n'est pas encore prononcé. Parce que jusqu'à présent, jusqu'à ce qu'on sache là, où on a assis par terre, elle est encore l'épouse. Donc, il ne faudra pas que quelqu'un se permette de prononcer comme ça à tout va le nom épouse là. Sinon que toi, tu vas faire, tu vas lancer procédure, tu vas porter plainte contre cette personne. Tu es passé où? Non, non, tu es passé où? Parce que si tu ne réagis pas là, c'est comme ça, elle va se foutre de nous, elle va continuer à se foutre de nous. Nous, on compte sur la loi pour nous protéger. Parce que si ce n'est pas le cas, moi, elle peut me lever, puis elle venir déclarer que Ousmane est mon mari. Chacun va se lever, puis va déclarer le mariage. Donc, Maître Daguerre, il faut réagir. On n'a qu'à mettre les points sur les i. J'ai vu un de tes posts où tu as dit Simone Gbagbo, l'épouse de Laurent Gbagbo. Bon, ça ne suffit pas. La femme là, elle dit que le monsieur là, c'est son mari. C'est son mari ou bien c'est pas son mari? Maître Daguerre Rodrigue, là, la main a besoin de t'entendre. Hein? Nous, on a besoin que tu nous rassures. Nous, on a besoin. Tu vois, quand tu lances les petits piques, nous, on en jaillit. Quand tu viens rétablir l'ordre comme ça, nous on est fond de ça. Tu vois un peu, non? Voilà, parce que c'est ça, nous on prend, c'est sur la loi, nous on se base pour défendre la cause de notre icône Simone Eve Gbagbo. C'est sur la loi que nous nous basons pour défendre l'honneur, l'intégrité de la femme mariée, de l'épouse légalement mariée. Tu vois un peu, non? Donc, Maître Daguerre Rodrigue, il faut jouer un rôle dans ça. Parce que ça, là, c'est foutaise même pour nous donner. Ouais. C'est pas Yaya. C'est foutaise même. Ça, là, c'est fougnée même qu'elle a fait pour nous donner. On doit mettre fin à ça. Ça doit cesser. Ce vacarme linguistique. Ce vacarme. Quoi? Ce vacarme. Verbal, ça doit cesser. You know,
You understand, Maître Dagué Rodrigue? You defend me, you defend you. Voilà. Faut nous défendre. Il faut défendre notre honneur, notre dignité, notre intégrité. Nous, on sait que tu n'es pas garçon banabana, Maître Dagué. Dans le jour où tu as garant les gars, tu n'as pas vu qu'ils se sont calmés un peu. On n'entendait plus par-ci, par-là, l'épouse, l'épouse. Mais maintenant qu'ils viennent se fournir de nous, là, il faut que tu les mettes à leur pas. Il faut que tu leur dises que la loi, c'est la loi. Nous, on a besoin de ça. Voilà. C'est trop foutaise même. Vous voyez un peu? C'était ça que je voulais dire, peuple ivoirien, peuple de Côte d'Ivoire, mes frères et sœurs, mes mamans chocolatées, mes dades du choco, que je love grave, je vous love grave. Merci de mettre des cœurs pour sécuriser la vidéo et merci de la partager pour qu'elle arrive à bon port. Pour que notre maman, là, elle n'a qu'à savoir que non, il y a des foutaises, il y a des foutaises que nous, on n'aime pas. On l'a laissé tranquille, elle n'a qu'à nous laisser aussi. Voilà. Voilà, c'est ça. Oui, maman. C'est ça. You respect you, you respect me. You defend you, I defend you, I defend you too. Voilà. Hein? Si on te défend, il faut nous défendre aussi. Si on te respecte, il faut nous respecter. C'est ça qui est là. I know compliqué. Hein? Bon, c'est bon. Le goût de ça, anglais gâté. Je me blesse en anglais. Voilà, et que si on doit me donner travail sur la base des anglais, là, j'ai déjà perdu emploi. Là. C'était la force tranquille, on est ensemble. On doit respecter la femme ivoirienne. C'est le goût de ça. Connaisseur connaît Gaoupas. Arrêtez de vous foutre de notre gueule. Comme mari. Nous tous, on est mariés. Si c'est ça, là, nous tous, on est mariés. Voilà. Nous tous, on mougou. Nous tous, on a